Et salut à toutes, c'est la chaîne Val, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour vous présenter mes livres collector, collection Harry Potter. Donc je fais déjà cette vidéo non pas pour me vanter mais pour présenter les objets, mon avis, leur description, le prix, tout ça. Pour cadeau de Noël, ça peut être sympa. Donc comme vous l'avez peut-être remarqué, je suis un peu malade. Donc j'ai le nez bouché, tout ça, donc... S'il y a des coupures ou tout ça, c'est parce que je me mouche ou je ne sais quoi. Donc, on va faire du plus... Je sais pas, de celui que tout le monde a au plus rare. Voilà, c'est ça. Et du moins collection au plus collection. Enfin, je vous expliquerai. Donc, tout d'abord, pour commencer, mon iPod est tombé. Donc, j'allais vous le présenter. C'est ce coffret, donc Harry Potter. Donc, c'est un coffret avec... Donc tous les livres, hop là, donc j'ai remplacé les trois derniers qui sont le Quidditch à travers les âges, les animaux fantastiques et les contes de Biddle le Barde. Donc à sa place il y aurait eu, hop, ceci. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un coffret, donc attendez. Hop, c'est un coffret Harry Potter avec tous les livres, donc je vais vous les présenter un par un. Donc déjà la boîte est magnifique, c'est un coffre-fort avec Harry Potter, voilà. Donc je vais vous présenter les livres un par un. Donc les reliques de la mort, donc c'est une couverture très belle avec une épée et quelqu'un avec une cape derrière. Donc on va... faire maintenant à l'école des sorciers, donc une très très belle illustration avec je sais pas si vous verrez bien le château de Poudlard, non c'est pas Poudlard, bon bref c'est un château, donc un très beau livre, donc tout bleu qui brille, voilà. Ensuite la chambre des secrets, donc avec le journal de Gélusor, donc c'est pas le vrai mais c'est comme illustration, donc il est rouge, il est beau. Ensuite le prisonnier d'Azkaban, donc avec un cerf. Il est violet, donc très beau. Ensuite, la coupe de feu, donc un de mes préférés de films et tout ça. Donc deux livres. Cette illustration, j'aimais bien. Je crois que c'est le premier que j'ai lu en petit format, donc de ce coffret. Parce que j'en avais déjà lu deux ou trois, mais en grand format. Donc celui-là est rouge avec la coupe de feu. Voilà. Ensuite l'ordre du phénix avec un beau phénix en flamme. Donc il est le livre est un peu jaune vert, voilà. Donc il est très grand. Voilà. Oula. Ensuite Le prince de Saint-Mêlé, donc celui-là, une des plus belles illustrations. Moi qui n'aime pas le vert, je trouve que c'est une des plus belles illustrations de tous ces livres parce que, je sais pas, j'adore. Donc vous revoyez La Pancine, donc un livre tout vert, magnifique vert d'ailleurs. Donc comme je viens de dire, j'aime pas le vert, mais celui-là pas mal. Donc si je devais classer mes préférés, je pense que je prendrais à l'école des sorciers. Vas-y, j'ai tout fait tomber comme la dernière vidéo. Ce qui va bien faire rire mes cousins. Hein. Donc celui-là, je l'aime bien. Donc on va pas passer trop de temps, sinon elle durera trop longtemps. Donc ensuite, les contes de Biddle le Barde, les animaux fantastiques et le Quidditch à travers les âges. Donc, oh, mais c'est pas possible. Donc le Quidditch à travers les âges, voilà. Donc ces trois livres que je vous ai déjà présentés. Donc le coffret, combien il m'a coûté? Il m'a coûté 70€, mais bon maintenant il doit se revendre beaucoup moins cher. Il doit être beaucoup moins cher, je l'ai acheté au furet, donc ça peut être une bonne idée pour Noël. Mais bon, je pense que tout le monde l'a, enfin tous les fans d'Harry Potter. Donc ensuite on passe... Ah non, pas celui-là. Hop, c'est celui-là, donc Harry Potter et la Chambre des Secrets en anglais. Donc je vous explique, c'est mon correspondant
allemand qui m'a offert ce livre en anglais, voilà, parce qu'il l'avait, il savait pas quoi en faire, il me l'a donné. Donc merci à lui, hein, s'il regarde mes vidéos, ce que je ne crois pas. Voilà, donc petit livre. Ensuite, le grand livre des créatures, donc hop, qui raconte toutes les créatures de Harry Potter, la conception et tout ça. Harry Potter, le grand atlas, donc j'avais prévu de faire une vidéo, mais je ne l'ai jamais faite. Ou si, peut-être je l'ai faite, je ne sais plus. Je crois pas. Donc, qui nous présente tout l'univers donc d'Harry Potter, les endroits, donc les lieux, en fait. Comment ils ont été créés, la conception, c'est comme les créatures. Et ensuite, mon tout nouveau que je viens d'avoir, la galerie des portraits. Donc, c'est un magnifique, je vous le ferai peut-être plus en détail. Il raconte tous les personnages, il parle de tous les personnages. Comme par exemple, j'ouvre au pif ici, c'est... Bon, là il parle de Dumbledore. Donc vous voyez, c'est un livre très très bien détaillé que je vous conseille fortement. Donc les trois que je viens de vous présenter, c'est dans la même collection. En tout, pour le pack, ça doit coûter à peu près 150, allez. Parce que celui-là, donc le plus ancien, maintenant je l'ai vu sur Amazon à 80€. Donc il a monté de prix parce qu'il était à 40€. Et les deux autres, donc à 40€. Donc 40 plus 40, ça fait 80. Et 80 plus 80, ça fait 160. Appelez-moi le mathématicien. Ensuite. Donc, encore un nouveau livre que je viens d'acquérir. Donc, Harry Potter, la magie des films. Donc, la couverture n'est pas extra. Comme je vous ai dit, je n'aime pas trop le vert. Harry Potter en tenue qui était dans le 5. Voilà. C'est un livre qui explique, comme les autres, la conception du monde. Mais là, ce que j'adore dans ce livre, c'est qu'il y a des choses à détacher. Par exemple, là, vous voyez, il y a les décrets du ministère qu'on peut enlever, donc afficher dans la chambre et tout ça. J'adore ce livre, je vous ferai une vidéo plus en détail sur celui-là. Et maintenant, le joyau de ma collection que je vous ai déjà présenté. Mais c'est quand même le joyau de ma collection. 2 secondes pour la magie des films. Il coûte à peu près 40€ comme les autres. Et donc là, pour la magie des romans à l'écran, pardon. Donc le magnifique livre, vraiment superbe, avec des étoiles un peu partout. Du bleu, le château de Poudlard et tout ça. Bon, c'est magnifique. Et donc il raconte, comme tous les autres livres, la conception et tout ça. Mais là, bien en détail, tous les épisodes. Épisode par épisode. Donc un très très magnifique livre qui... Un très très magnifique. Attention, on est allé loin. Donc est très très cher maintenant, qui est vraiment rare. Donc je l'ai vu à 800€ la fois dernière. C'est assez abusé, 800€ pour un livre. Enfin, vous me direz, j'ai acheté un coffret à 500€ que je vous ai toujours pas présenté. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. Donc je vais refaire une vidéo là bientôt, aujourd'hui ou demain, ou en tout cas cette semaine, parce que la semaine dernière j'avais pas fait de vidéo, pour vous présenter là aujourd'hui ou demain, je ne sais pas, ma nouvelle baguette que je viens d'acquérir, qui est celle de Horace Slughorn. Donc Elliot, tu sais de quoi je parle. Voilà, donc je vous dis à la fois prochaine, et salut à tous, c'était la chaîne Val. Bye bye. Mais vas-y. Je vous avais déjà présenté dans une de mes vidéos. Et punaise. Mais c'est pas possible. Excusez-moi. Je m'excuse.